partir sur une Zaira AP. Tiens, bah justement, Yamaokai. Yamaokai, mon ami, on va pouvoir montrer. En vrai, pour Maokai, c'est bien, Zaira. On va mettre Rose de Cristal parce que avec ce skin-là, on gagne tout le temps. Alors, Zaira, ça vite ses limites en master. Enfin, je sais pas si ça a ses limites en vrai. Je sais pas si là on est trop limité parce qu'on a une loser queue. Je sais pas si c'est limité parce qu'on a une loser queue. Ou si c'est le perso est limité de base. Parce que quand même, je veux pas dire que on a quand même une bonne maîtrise sur le champion. Je te dis pas que je suis meilleur joueur derrière du monde. On a quand même une bonne maîtrise sur le champion. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à monter, tu vois. Après, là, tu vois, Zaira, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'ils ont nerf le Liandry, ils ont nerf ensuite le Zhonya. Ils ont nerf la durabilité Enfin, ils ont nerf la durabilité, donc tout ce qui est poke, c'est dur. Après, ils ont nerf le Morello. Donc, tout ce qui est anti-heal, c'est dur. Donc, dès qu'il y a un enchanteur, tu peux pas jouer. Enfin, tu peux encore moins jouer qu'avant. Si t'as pas un bon AD carry, en plus, c'est vraiment une loss, quoi. Et là, tu vois, on les poke bien. J'ai fait Kate. Pourquoi Rengar n'a pas été bot side? Bon, on les poke bien. T'es meilleur Zaira de Twitch, je sais pas, peut-être. Non, en vrai, y a pas de toute façon, dans le jeu, il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Tu peux pas dire lui, il est meilleur que machin. C'est trop dur de dire qui est meilleur que qui. C'est un jeu d'équipe. Donc, forcément, si t'as des meilleurs coéquipiers, tu peux être. Tu peux avoir l'air plus fort, des choses comme ça, tu vois. Pareil, si t'as un MMR de Challenger depuis 4 saisons. Tu peux être dans une winner queue incommensurable et rester challenger 5 saisons alors que t'as plus le vrai niveau challenger, tu vois. Bah, jusqu'à preuve de contraire, je sais pas. Donc je pense pas que tu sois limité par le pick, mais plus par la loser queue, je sais pas trop. Après, tu vois, là par exemple, le Rengar qui invade alors qu'il pouvait le faire pendant 5 ans. C'est un peu greedy, hein. Heureusement que le Xerath a bien joué. Il y a des cales. Essayer de ralentir les creeps. Qu'à preuve du contraire, je sais pas. En vrai, voilà. Et donc, oui, pour tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de meilleur. Enfin, tu peux pas vraiment comparer le niveau de quelqu'un juste en regardant une partie ou deux, tu vois. C'est assez dur en tout cas. Les stats, ça veut rien dire, les choses comme ça aussi, tu vois. Faudrait que les gens aient exactement les 10 mêmes games pour qu'on puisse juger sur les 10 mêmes games, tu vois. Ouais, on va kill là, hein. Dommage, j'ai deux. Le bocal. Dommage, j'ai deux Q-spells qui sont pas passés. Vous voyez, quand vous l'époque, regardez bien que la tourelle lance son. Lance son. Comment dire? Lance son tir sur le creep. Ce que vous pouvez faire aussi avec Maokai, regardez, hop, il a mis un truc. Bah, je mets ma plante. Et boum, j'ai fait le bocal, je voulais t'entendre un truc. Oui, quand vous divez. Non, j'ai déjà dit. J'ai raté mes sorts. C'est ça. J'ai raté l'avion. Et j'ai raté mes sorts. Il meurt. Qu'est-ce qu'elle fout? Mes ADC. Mes ADC. En master, toutes les games, c'est ça. Oui, je ne pète pas un plomb. Les ADC bourrés, ouais, non, mais là, enfin, là, ça commence à être gros, Rito, là, de dire bon. Pour lui, il est trop fort, mettez-le avec des types pourris. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Le mec a le melon. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, en vrai, enfin, tu vois, je me considère pas non plus comme fort ou autre, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de perdre beaucoup de parties alors que ce n'est pas vraiment mon ressort.
J'espère que Kate va se réveiller un jour. Hein. J'ai pas envie de perdre une partie encore. Alors qu'on est bien devant. S'il vous plaît, Kate. Kate Middleton. Et vous voulez une anecdote de ouf? En fait, du coup, j'habite depuis très petit sur les plages de débarquement. Bon, j'habite pas sur la plage elle-même, mais j'habite dans une ville où, qui fait partie d'une des plages du débarquement. Et lors des invitations nationales et internationales, vous connaissez, il reçoit du coup des célébrités. Sauf que moi j'étais petit à l'époque, et en fait il se passe que il y avait Kate et Williams dans ma ville. Il se passe aussi que ils avaient besoin d'habitants, de petits habitants, de jeunes du village pour aider du coup tout ce qui était vétéran, etc. Et servir le... Servir... Je t'ai vu, Canel, j'arrive. Et servir du coup le thé aux vétérans. Il s'est passé qu'on était à même pas un pas de Kate Middleton. Voilà. Voilà pour l'anecdote qui était beaucoup trop longue pour tout ça pour dire ça. Et on s'en fout un peu, gros. Hello, ça va? On m'a parlé de toi. Car tu joues très bien, Zaira. Ah non, c'est faux. C'est faux. Ah là là. Qui c'est qui a fait de la pute mensongère là? Oh! T'inquiète, ok. Bah, bienvenue à toi. Et si ça te plaît, enfin, attends de regarder quand même. Parce qu'on a un ami là tout à l'heure qui est venu. Hein. Il sait Jonathan là. Il a même pas eu le temps de regarder si ça lui plaisait. Il s'est abonné. Donc, déjà merci à lui. Mais prends le temps déjà de regarder si ça te plaît pour te follow. Et voilà. Et bah, bienvenue du coup. Hein. Si ça te plaît au bout d'un moment, hein, à mettre un petit cœur quand même. Hein. Un petit follow ou autre. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, ouais, on est là pour faire progresser toutes les belles graines. De ce serveur et donc on est une communauté, c'est déjà fait, bah merci beaucoup. On est une communauté du coup assez assez comment dire assez bienveillante et on essaie du coup d'aider chaque belle graine. Un peu deep hein. Un peu deep, bien joué. Dans l'idée à la base je veux faire je vais faire du coup une vidéo fun le mercredi et une vidéo plus tuto le dimanche. Et c'est vrai que là j'étais un petit peu pris par le travail. Donc on a eu pas mal. On a eu pas mal de vidéos détente. Mais comme le Keshua et tout. Et voilà. Bien joué ça les alliés. Ah bah oui, oui ma plante. Bien joué. Même si je fais beaucoup de jeux de mots pourris, y a du sérieux de temps en temps. Et en kill, je vais mettre une plante là en prévision de son top in. C'est bon. En vrai, y a moyen de kill plus. Et il devrait, ok. Voilà, je suis en train de lire le chat. Yes! Yes! Bon, heureusement qu'on a fait un ulti réflexe. Et j'ai cru que j'allais m'en sortir avec goût du sang. Je crois pas que je l'avais, je sais pas. Mais bon, on a eu de la chance. On a eu de la chance de vivre assez longtemps. Et puis après, bah, du coup, j'ai mis. Est-ce que vous voyez les cartes, l'ami? Beau réflexe. J'essaie de faire le tour, mais... Non, mais ça! Non, mais... J'ai eu peur. Allez, le prédic, pas du tout. Il a flash dans mon... Il a flash dans mon truc, c'est tout. Non, mais là, si j'étais streamer... Oh, mais comment, il est trop fort! J'ai prédic le flash! Non, il y a juste flash dans mon... Dans mon E sans que je les prédicte. Cette game c'est trop Chardiland. monsieur, vous êtes planté dans le jeu de mots là. Trop de messages deviennent célèbres, c'est le moment de créer un Discord. Alors, merci déjà Guigo. Et d'un autre côté, oui, je suis en train de créer le Discord. On est en train. Enfin, je suis pas dans le train là. Prochain arrêt, Tréport, Côte Normandie. Non, on est en train du coup.
faire un Discord pour essayer du coup de rapporter le plus de mini-graines. Et voilà. Mais je suis une brêle, hein. Comme dans tout. Je connais rien, je suis une brêle. Moi, mon but, c'est de rééduquer les patients. Donc, c'est vrai que là, là, tous les nouveaux trucs sont nouveaux, justement. Et du coup, bah, j'ai pris beaucoup de temps. Donc, ça va venir. Mais laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Même jamais vraiment visité quand. Ah, t'as jamais visité quand? Aïe, aïe, aïe. En vrai, c'est très sympa. Hein. C'est pas parce que je suis chauvin, mais... C'est assez sympa. Hein. Sympa. Je travaille à temps plein ou à mi-temps, je travaille 40 heures semaine. 40 heures semaine. Donc temps plein. Courage à toi. Bah merci beaucoup, mais ça me plaît beaucoup. Hein. En vrai, je suis quand même content de notre avancée. Et de notre avancée du style. Avec la communauté, etc. C'est très bien. Un Discord hobby, comme ça on pourra faire des teams de sup. Bah ouais, parfait. Ah, GG. Bon, Xerath était mad de ouf parce que je lui ai volé un kill, je crois. Donc bon. Nice game. Oui, ça a été.